Le départ est bon. Voici Denny Morrison. Un rythme très élevé dans le virage. Alors, on va devoir travailler très fort. On est parti beaucoup trop rapidement. Ouais. Il a encore accru son avance sur Toyota. Denny Morrison à 42 centièmes de seconde devant. Très rapide. Il faut qu'il s'accroche maintenant. Il faut qu'il pousse. Et là, on voit la vitesse de Morrison. Est-ce que c'est suffisant? Il va être dans les trois premiers. Denny Morrison! Cadet de trois enfants, Denny Morrison grandit dans une famille mordue de patinage de vitesse. Il chausse les patins pour la première fois à l'âge de 3 ans. Son frère Jay est à la fois une inspiration et une motivation. Le jeune Denny veut non seulement rivaliser avec son grand frère, mais aussi être un jour plus rapide que lui. À ses premiers Jeux olympiques en 2006 à Turin, Denny Morrison goûte déjà au podium olympique. C'est parti. Canada-Italie pour l'or. Alors, moins d'un tour à faire maintenant. Ce sera extrêmement difficile pour le Canada. L'écart est beaucoup trop grand. Impossible maintenant. À combler maintenant. 2 secondes 75. Alors, une deuxième médaille d'argent quand même, Gaétan, pour le Canada, ici à l'Oval. Lingotto, c'est loin d'être vilain. Avec ses coéquipiers, il décroche l'argent dans l'épreuve de poursuite. Voilà, c'est parti. Le Canada était au bas de votre écran. On voit ici les Canadiens. C'est avec de grands espoirs que le patineur se présente aux Jeux olympiques dans sa province natale, à Vancouver, en 2010. Et Morrison ne déçoit pas. Oh, déjà les Canadiens qui ont 43 centièmes de seconde avec Denny Morrison qui est devant. Voici Makowski et Giroux. 12,87, c'est très, très rapide. Le Canada qui est encore en avance. Par 36 centièmes de seconde, on vient réussir ici à prendre un peu de priorité. Et les voici qui s'amènent. Ce sera une arrivée très serrée. Les trois Canadiens, Morrison, Giroux, Makowski. Et c'est finalement, oui, le Canada qui l'emporte par 2 dixièmes de seconde. Médaille d'or pour le Canada. Tout le monde est debout ici. Denny Morrison, Lucas Makowski et Mathieu Giroux, le Québécois,